Regardez-moi cette catastrophe, les amis. C'est quoi ces fournitures scolaires? On dirait même pas des fournitures scolaires, regardez. Là, il y a une sorte de cactus dans un pot. Sauf qu'en vrai, c'est pas un cactus, c'est un stylo. Non, mais Lily Rose, je crois qu'elle a pété un câble. N'importe quoi, non. Là, avec Valentin, on est en train de regarder ça. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout à l'heure, on a fait la chasse aux fournitures de Lily Rose. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Donc, on est allé dans un magasin. Elle nous a emmené dans un magasin ultra spécial. J'ai pas compris. Il y avait des stylos. Enfin, bah attendez, je vais vous montrer parce que... Là c'est pas tout, regardez, ça on se dit que c'est un poisson, et non c'est une trousse, ça regardez, on dirait des pop-its, et non c'est une règle, et ça alors ça... Des bracelets, ça c'est le pire truc, j'ai halluciné, regardez au moins, ça. Ça écrit un peu. On dirait que c'est des bracelets, mais ça écrit. Non mais est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Non mais elle va ramener ça à l'école, elle va se les faire confisquer le premier jour parce que le prof va croire que c'est des jouets. Du coup là, elle m'a amené dans un magasin. Et le pire c'est qu'elle m'a dit ah attends-moi dans la voiture, je vais faire ma chasse aux fournitures toute seule. Je lui ai donné la caméra, elle a fait sa chasse aux fournitures toute seule. Et là les amis, elle est revenue, elle m'a montré ça, elle a sorti tout ça du sac. Je lui ai dit Lily Rose là faut qu'on parle, elle s'est enfuie. Elle a eu peur que je la rouspète. Donc là les amis, on va faire découvrir à Peppa Pink tout. Non mais regardez, il y a des trucs, regardez ce stylo. Regardez, c'est un stylo coup de poing comme ça. Regardez, attention. Non mais non mais je suis sûr qu'on écrit même pas bien avec ça. Là c'est un carnet, elle a même pas acheté de cahier, elle a acheté que des carnets comme ça en forme de chocolat. Et ça mais un stylo géant. Ouais, un stylo XXL. Ça va pas rentrer dans sa taille du stylo. Regardez-moi ça, ça rentre même pas, c'est plus grand que la trousse qu'elle a acheté. Et par contre ça écrit, hein, c'est vraiment des stylos. Là des stylos peigne, un stylo, regardez, licorne comme ça. Non mais... Là, enfin, franchement, les amis, il y a trop de trucs. Et encore, ça, c'est qu'une partie. Donc, on va montrer ça à Peppa Pink. Peppa Pink, ah bah, justement, t'es là. Alors, justement, je voulais vous voir. Alors, comment ça s'est passé, les achats, là, pour Lily Rose? J'espère qu'elle a bien choisi ses cahiers, ses stylos. Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est pour ça que je voulais te voir. Non, non, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regarde, selon toi, c'est quoi ça, par exemple? Ah non, non, je vous ai demandé... Non mais ça, c'est quoi selon toi? C'est un gadget, je sais pas moi... C'est écrit, regardez les amis, pizza. C'est une boîte à pizza. Et bah non, regarde, c'est des gommes. C'est des gommes qu'elle a achetées. Regardez, chaque part de pizza, c'est une gomme. C'est une gomme pour l'école. Regardez, les amis, c'est une catastrophe. Chaque part, c'est une gomme. Non. Et regarde tout ce qu'elle a acheté comme fourniture. On dirait que c'est des peignes et c'est des stylos. Ça, c'est des bracelets. Ça, c'est une règle. Ça, c'est sa trousse. Regarde, elle a même acheté une trousse pop-it. Et ça, regarde. Non, mais ça, c'est le pire. On dirait un outil. On dirait une clé à molette. Et en fait, quand on ouvre, c'est un stylo. Mais c'était pas sur la liste, tout mais ça. Mais non, mais y a rien sur la liste. Du chocolat. Ouais, non, mais c'est pas du chocolat, c'est un carnet. Ah, c'est le carnet qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé un carnet pour écrire les Rose. Lily Rose, elle s'est dit si Peppa Pink voit ça, il va être ultra en colère. Oh, du coup, elle s'est cachée. Bah, on va aller la chercher. Il y avait cool. Et non, mais attendez, les amis, on va vous montrer. On va vous montrer. Ouais, regarde ça. C'est quoi ça, gars? C'est un stylo. Hop, un petit stylo. Oh, non, et son prof, il voit ça, il a puni. Ah non, mais ça, pour moi, regardez, ça, même ça, c'est un stylo. On dirait une barre de chocolat, c'est un stylo. Ça aussi, enfin bref. Une plante. Ah oui, et ça, regardez, ça, trop marrant, une trottinette. Une trottinette stylo. C'est pas marrant, je trouve. Oui, bon, allez, on va voir Lily Rose, surtout qu'elle a encore acheté plein de trucs. Alors, ça, c'est même pas la moitié. Elle a acheté des cahiers en forme de sandwich. Elle a acheté des stylos en forme de baguette magique. Enfin bref. C'est une catastrophe. Bon, les amis, on va aller chercher Lily Rose. Et là, je pense que, avec Peppa Pink, on va pas mal la rouspéter parce qu'elle a fait vraiment n'importe quoi pour cette chasse aux fournitures. On essaie de retrouver Lily Rose. Peppa Pink est partie à l'étage, mais elle se cache encore. Elle est pas dans le shop, elle est pas dans le studio gaming. Ah oui, regardez ce qu'elle a acheté d'autre. Elle a acheté ça. Elle m'a dit que c'était pour apprendre les leçons. Elle m'a dit que ça répétait les leçons à notre place. Mais bon, ça marche pas, enfin bref, c'est pas du tout une fourniture scolaire. Et tu vois pas les autres fournitures qu'elle a achetées parce que je voulais vraiment montrer tout aux abonnés. Je voulais tout montrer aux abonnés. Lily Rose, promis, promis, on va pas trop se péter. C'est pas grave si t'as acheté des mauvaises fournitures. Lily, elle est peut-être partie à la cave. Lily Rose. Lily Rose. Non, elle est pas là. Ah, attends, si. Regardez. Là, il y a d'autres fournitures qu'elle a achetées. Regardez, elle avait acheté ça, des stylos en forme de glace. Ça c'est quoi? Ouais, c'est une trousse, regardez, on met les stylos dans les trous là. Une trousse en forme de crêpe.
Elle a acheté des gommes en forme de légumes. Ça, c'est un stylo Transformers. Elle a acheté des tournevis. Regardez, un stylo en forme d'os. N'importe quoi. Il y a des tournevis. Ouais, stylo tournevis. Et c'est des stylos aussi. Ouais, enfin bref, une catastrophe. Et les amis, on en a eu pour super cher. Là, on a payé, elle m'a dit, ouais, j'ai payé en tout presque 100€. 100€ de fourniture. Bon, Lily Rose, maintenant, il faut te montrer, là. Ça suffit, les bêtises. Bon, écoute, on va retourner dans sa chambre. Ça tombe, elle s'est cachée sous son lit. Mais de toute façon, j'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans. Parce que moi, je voulais vraiment vous présenter toutes ces fournitures en mode le bilan de la chasse aux fournitures scolaires de Pink Lily. La chasse aux fournitures la plus catastrophique du monde. Lily, c'est quoi ça? Vous êtes qui? Et laissez-moi tranquille. Vous êtes qui? Un voleur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi. Eh oh, vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Je vous le dirai pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment vous êtes rentré chez nous? Qu'est-ce que vous faites ici? Par la porte. Comment vous êtes rentré? Attends, vous sortez pas. Les fournitures? Elles sont où, les fournitures? Non, il les a récupérées. Quelle fourniture? C'est dans son sac. Donnez-nous ça tout de suite. Donnez-nous ça immédiatement. Allez, donnez-nous ça. Allez, monte. Tout pris. Toutes les fournitures scolaires. Il y a la trousse popit. Non, il y a tout. Il y a trousse poisson même. Il y a vraiment tout. Monsieur. Et là, on va avoir besoin d'une explication. Déjà, qu'est-ce que vous faites chez nous? On vous a jamais vu, monsieur le chauve là. Les amis, je pense que celui-là, on l'a jamais vu sur la chaîne. Hein. D'ailleurs, il me dit rien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben écoutez, la porte elle était ouverte. Et puis j'ai entendu du bruit, ça me semblait bizarre. Porte était ouverte, du coup vous êtes rentré chez des inconnus. Bah oui, j'entendais du bruit. Non. Donc je suis monté. Je pense que vous nous avez suivis. C'est quelqu'un qui nous a suivis dans le magasin. Maintenant que je vous regarde, vous étiez en même temps sur le parking que nous. Vous étiez sur le même parking que nous au magasin de fournitures scolaires. Oui, à mon avis, il a vu ce que Lily Rose a acheté dans le magasin et il s'est dit, je vais les suivre jusque chez eux pour voler les fournitures. Ouais, non, mais c'est quoi ce comportement? Mais bon, je vous laisse des fournitures comme vous avez acheté. Non, mais c'est... Bon, en plus, ces fournitures, elles sont inutilisables à l'école. Hein. Regardez-moi ça, si vous croyez que ça va être accepté par le prof, un stylo cactus. Non mais attendez. Non, écoutez, vous avez aucune excuse. Vous êtes un voleur de fournitures scolaires, qu'est-ce qu'il y a? Non, regardez. Donnez-moi la règle ici. Tenez, la règle, oui. La règle. Oui. Et ben, mais qu'est-ce que vous allez nous montrer? Elle est pareille que la couleur des stylos. Non, je m'en doutais. Non, vite, poursuis-le. C'est pas possible. Il veut voler les fournitures de Lily Rose. Bon, c'est vrai qu'elles sont... Bon, les amis, avouez que les fournitures que Lily Rose a achetées, elles sont très marrantes. On va pouvoir faire des vidéos avec, on va vous faire plein de shorts avec. Mais par contre, pour l'école, ça va pas du tout. Faites attention à vos fournitures. Eh oh, revenez ici. Oh, ils s'est enfui avec le sac. Regardez, ils sont déjà partis. C'est une catastrophe. Bon les amis, on va essayer de le poursuivre pour récupérer les pires fournitures scolaires du monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que Lily Rose fera une vidéo avec moi pour vous montrer toutes ces pires fournitures. À la prochaine et qu'on refera peut-être une chasse avec des vraies fournitures. À la prochaine, ciao.